The communities nestled in the steep, mountainous landscapes of Port-au-Prince, Haiti, face many dangers, including flooding, landslides, and earthquakes, like the catastrophic earthquake of January 12, 2010. Gold arrived in Haiti on January 13, 2010, and since then has been partnering with Haitian communities and authorities to make neighborhoods like these safer. Before the construction of this footbridge, community residents regularly crossed through this dangerous ravine, which became impassable in heavy rains. Je suis même suis même presque bon à venir. C'est la grande liaison qui fait en début à la grotte. Tu as commencé à manger, tu as commencé à venir pillage. Pour déboulement de terrain avant, tu as bouqué dans la zone. Mais avec Gabion vient pour une solution pour glissement de terrain. Après, il a amélioré. Et l'eau qui passait par en bas avant, tu as une bête, même bête de l'eau, tu as beauté. Si la pluie tombe, pendant la pluie tombe, et puis il y a un monde qui est malade. Nous avons pris un risque de passer à mon nom de l'eau, à faire plein, on joue pour bail. Mais à cause de pour nous, mais tout le bail est facile. Depuis que nous sommes malades, nous prenons et puis traverser. Thanks to funding from the European Union and the US government, GOAL is partnering with the Haitian government to provide financial and technical support to community-led initiatives that bring evacuation stairs, footbridges, paved evacuation routes, retaining walls, and drainage canals to these vulnerable areas. Parce qu'on travaille dans des communautés qui sont vraiment difficiles en termes d'accès. La stratégie de GOAL par rapport à l'implémentation ou l'exécution des petits projets communautaires de réduction des risques au niveau des communautés, selon une approche basée ou avec un focus sur la communauté en quelque sorte. Toute une stratégie a été développée pour impliquer la communauté dans le processus même d'identification des risques ou d'identification de leur vulnérabilité. Not only does this initiative reduce the vulnerability of residents, it also helps boost the economy as local workers are hired to do the work. GOAL technicians transfer their knowledge to the community, accompanying them during this process in order to transform vulnerabilities into capacities. Imagine how precarious these steep vertical routes were before, where community residents had to navigate treacherous terrain just to go about their daily activities. Moi j'ai 35 ans depuis moi habiter dans zone ça là. Monde qui vient habiter là dans yo mette masse, yo mette puis quoi, yo cassé, yo joint petit côté, yo monter caille. C'est pas facile. C'est ton rag bois. Et nous disons merci avec l'équipe d'intervention qui menait et GOAL vini pour venir visiter zone pour l'état de la zone. Je suis capable de dire que c'est une grande amélioration pour les gens dans la zone, moi-même personnellement. Parce qu'à l'aide des glissements de terrain, nous avons perdu qu'on a été capable de tomber aller dans la ville comme ça fait déjà. Je dis merci avec ECO qui était d'accord, qui a accepté pour te financer le projet ça pour nous bénéficier escalier, pour nous bénéficier mirail, pour nous bénéficier l'argent monde qui te travaille. To date, GOAL has supported Haiti in the implementation of 12 community projects. An additional 20 projects will be completed in 2015. Now Avenice, Junior Philippe, their friends and families live in safer neighborhoods with safer ways to get out of harm's way when the heavy rains start to fall.